La bande à Fifi dans Babysitting 2. Le Guatemala dans X-Canoul. La guerre froide dans Le Pont des Espions. Une maman mourante dans Mia Madre. Bienvenue dans le screen test de cette semaine. On les a pas retrouvés ? Il dit qu'il n'y a plus de lumière, il faut arrêter les recherches. Ça recommence. Dans Babysitting 2, on prend les mêmes et on recommence les mêmes conneries. Je suis avec vous, il ne faut rien vous arriver. Faut trouver un moyen, faut descendre très très vite. Ah, je sais, une corde avec mes vêtements. Structure ouais, identique, même principe du found footage, on remplace juste Junio par clavier. Splendide, non ? T'es abruti ou quoi ? Dis-moi, il va nous filmer tout le temps comme ça, lui, parce que c'est, au bout d'un moment, ça me... Franck et sa sympathique bande de pieds nickelés se payent donc un séjour pas triste au Brésil, en pleine jungle, avec des Indiens et une tati d'amis à la cariatre raciste. De Dieu le boulet, de Dieu le bordel, voilà. Surtout. Alors les jeunes, on va se parler dans le coin ? Génial ! Maman va adorer, ça l'occupera. Ouais, on est parti ! Je vous la confie, hein ! Tout ça, c'est de votre faute, hein. Je vous d'avoir voulu changer les idées. C'est pas la caméra de l'autre con, ça. Humour potache et bon enfant, Babysitting 2, une comédie d'aventure où un escrologiste, entendez, un escroc écolo, sera dénoncé. Une comédie foutraque où même si on nifle tous les gags avant qu'ils n'arrivent, on se marque quand même. Cap un peu plus au nord, au Guatemala, avec X-Canoul. Exit la fanfreluche et la légèreté. Dans ce drame délicat, on est catapulté au cœur d'une région reculée où les paysans surexploités n'ont que deux options pour s'occuper, bosser et se saouler, éventuellement copuler. Pour les femmes, elles peuvent aussi tomber enceintes malgré elles. C'est ce qui va arriver à Maria qui se fera en plus voler son bébé. Ours d'argent au dernier festival de Berlin, X-Canoul, Volcan, un film poignant, très naturaliste, où l'on montre la rudesse des tâches quotidiennes, les coutumes, les arrangements, où l'on épingle aussi les croyances, même si on écoute toujours son guide spirituel. X-Canoul, Volcan, un film pour dire que l'Eldorado américain n'existe pas et qu'au lieu de choisir l'exil, il vaut mieux rester au pays malgré les difficultés. Bon, je vous explique. L'espion soviétique qu'ils ont arrêté, on veut que vous le défendiez. L'acte d'accusation. Quand Spielberg s'attaque à la guerre froide, il ne signe pas un film d'espionnage mais de négociateur. Je ne suis pas sûr de vouloir y toucher. L'accusé n'a pas d'avocat dans ses relations. La Cour fédérale nous a collé l'affaire. Le Conseil de l'Ordre a voté. Vous êtes choisi à l'unanimité. C'était important pour nous. C'est important pour notre pays, Jim, qu'on voit que cet homme a droit à un procès loyal. C'est la justice américaine qu'on jugera. Oui, évidemment. Présenté comme ça, c'est un honneur, bien sûr. Mais vous, Lynn, je défends des assurances. Je n'ai pas plaidé au pénal depuis des lustres. C'est comme se remettre au vélo, non ? S'appuyant sur une histoire vraie au plus fort des tensions est-ouest, il suit le trajet d'un avocat hors pair qui s'improvise droit de la négoce. Tom Hanks doit sauver de l'autre côté du mur de Berlin deux citoyens américains. Malgré une belle reconstitution, un minimum pour un film d'époque, Le Pont des Espions présente une vision manichéenne des choses. We are engaged in a war. This war does not for the moment involve men at arms. It involves information. Pendant que les gentils américains traitent l'espion russe avec respect et dignité, les méchants bolcheviks torturent en douceur pour obtenir des renseignements. À sa décharge, Spielberg a au moins le mérite de montrer comment la justice de son pays était instrumentalisée, biaisée, faussée lorsqu'il s'agissait de juger des espions russes à cette époque. Le Pont des Espions, une amitié est-ouest improbable pour un film mineur classique de Steven Spielberg. Ma perché continuo a ripetere le stesse cose da anni? Tutti pensano che io sia capace di capire quello che succede, di interpretare la realtà. Ma io non capisco più niente. Comment traiter de la fin de vie d'une maman qu'on aime par-dessus tout en déridant le spectateur, simplement s'en remettant à Nanni Moretti, à son Mia Madre. Avec cette comédie dramatique, Super Nanny réalise un coup de maître. En fait, une réalisatrice trop accaparée par le tournage de son nouveau film social doit jongler entre les nombreux allers-retours à l'hôpital au chevet de sa maman dont la fin est proche et le stress du plateau avec son acteur vedette, exubérant, mythomane, ingérable, qui ne sait pas une ligne de texte et en fait des caisses. Tout le monde dit stop. Non ti ricordo una battuta, una sola battuta! Sei stanca? Mia Madre, le portrait d'une femme qui patauge au sens propre comme au figuré, le portrait d'un métier surtout, réalisateur. Un boulot d'égo tripé trop centré sur leur petite personne qui passe finalement à côté de l'essentiel dans la vie, à savoir la famille. Mia Madre, la nouvelle pépite d'un et avec Nanni Moretti. On récapitule au cacahuétomètre couleur 3. Ce sera 3 cacahuètes pour Mia Madre, 2 pour X-Canoul et Babysitting 2, 1 pour Le Pont des Espions. Et maintenant, vous ne pourrez plus dire on va au cinéma, mais qu'est-ce qu'on va voir au cinéma ? Comment on s'en est sorti ? Chez le juge. Pas très bien.